Dans une ferme près de Séville vivait une petite fille et un taureau pas méchant qu'on appelait Ferdinand. Dans ses cheveux, la petite fille mettait des fleurs de la prairie quand elle emmenait Ferdinand se promener dans les champs. Pour Ferdinand, c'était la fête. Lui qui avait bon cœur, il advint que la grosse bête s'est pris d'amour pour les fleurs. Un matin, des hommes de la ville sont venus qui cherchaient des taureaux. Car pour la corrida de Séville, les matadors demandaient les plus beaux. Comme tous les jours, que Dieu bénit, Ferdinand et sa petite amie s'en allaient flâner au champ. Tout joyeux, elle et Ferdinand. Mais comme il respirait une fleur, une abeille entra par erreur, butiner le fond du naseau de Ferdinand le taureau. L'abeille a tant piqué la bête que tout surpris, le nez en feu, Ferdinand beuglait à tue-tête, faisant mine d'être furieux. Par hasard, les hommes de ces villes qui passaient juste à ce moment crucial dirent tout de go à la petite fille qu'il leur fallait ce vaillant animal. Avec leurs chevaux et leurs lances, ils l'emmenèrent, pas de chance, pour le faire combattre tout seul, devant 50 000 personnes. Et bien avant qu'ils ne comprennent, Ferdinand était dans l'arène. Sur les gradins, les spectateurs agitaient des bouquets de fleurs. Pour Ferdinand, c'était la fête. Lui qui avait bon cœur, nul ne savait que la grosse bête aimait tendrement les fleurs. Le matador est entré dans l'arène. Toutes les femmes lui lançaient des bravos. Mais Ferdinand faisait le tour de la reine pour respirer les fleurs de leur chapeau. Olé Ferdinando! Triste figure des toreros, la foule acclamait le taureau de mémoire de toréador. On n'avait jamais vu plus fort. Et Ferdinand, comblé d'honneur, est rentré chez sa petite sœur. Si de vieillesse, il n'est pas mort, certainement qu'il vit encore.